et bon côté table là, t'es gain 5 membres CSPJ parmi Léo, Dilia Le Maire, t'es gain Max Elibert, etc. Yo t'es allé très très fort dans propos, yo très fort, gain nan yo qui même dit que président a gagné pour payer propos ça il gagne pour juger même quota corrompu yo. Parce que, yo répété noir sur blanc, sou dit que c'est des juges corrompus que yo font nommer. Ça veut dire, ou même, on parle de responsabilité, tous ou d'accord nommé yo. Donc, et, ben, c'est la première fois, moi, juge, CSPJ, yo t'allé aussi fort, ça témoigne niveau d'indignation et de frustration yo, par rapport à ces propos vraiment qui pas de gain place yo là. Donc en disant avoir été contraint de nommer sous pression une cinquantaine de juges corrompus dans le système judiciaire lors de sa visite en France, le président Jovenel Moïse a déclenché la colère des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, écrit le Nouvelliste. Jugé blasphématoire, ces déclarations sont une tentative de mettre en péril l'indépendance du pouvoir judiciaire et une violation de l'article 136 de la Constitution de 1987, ont-ils indiqué dans le cadre d'une conférence de presse donnée vendredi dernier dans le local hier vendredi. Incompétent, irresponsable, maladroit, légèreté, les mots ne manquent pas aux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour dénoncer les déclarations intempestives faites par le président Jovenel Moïse à Paris, où il a cloué le pouvoir judiciaire au pilori. Ce n'est pas le premier président à vouloir brider la justice cette fois-ci. Le président Jovenel Moïse va beaucoup trop loin, a indiqué le juge de la cour d'appel, Max Elibert, dans une colère froide. Comment un président peut-il dire qu'il a été contraint de nommer 50 magistrats corrompus pendant qu'il est le garant de la bonne marche des institutions, s'est-il interrogé. Le président n'a pas fait de nomination, car la liste qui lui a été soumise ne contient que des magistrats qui sont déjà dans le système. Autrement dit, ces mandats ont été demandés de renouveler, pas de nommer. Il s'agit plutôt du renouvellement de mandat des juges. On lui a envoyé 75 magistrats et le mandat de 50 d'entre eux a été renouvelé, a-t-il précisé. Selon lui, même si la liste avait des juges corrompus, il revient au président de décider de ce qui doit être approuvé ou pas, car il est le garant de la bonne marche des institutions. Pas besoin de faire un scandale sur la place publique en terre étrangère, lâche-t-il, ajoutant qu'il y a des juges honnêtes dans le système qui n'ont pas été reconduits par le chef de l'État. Parlant de la partialité dans le processus de la certification des magistrats, le juge à la cour d'appel estime que le président a péché. La commission technique de certification travaille en toute impartialité et est composée de représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Autrement dit, le pouvoir exécutif est partie prenante dans toutes les décisions, a fait savoir le juge Max Elibert, qui dénonce la faible allocation accordée au pouvoir judiciaire dans la loi de finances 2017-2018. La commission technique de certification n'a pas de budget de fonctionnement. Elle essaie de joindre les deux bouts pour obtenir les résultats escomptés, a-t-il déploré. Comment voulez-vous un appareil judiciaire fort avec un budget de moins de 1%, s'est-il interrogé. En temps et lieu, le président aura à répondre aux questions de la justice, car il a violé la Constitution à enchaîner la vice-présidente de la Cour de cassation, Wendell Taylor Cock, de ton froid. Le fait par Jovenel Moïse d'avoir accepté de renouveler le mandat des juges corrompus montre qu'il est incompétent, dénote Mme Cock. Si président connaît ses juges, l'a pas affecté, c'est tête-lit l'a condamné parce que article 136 Constitution 1 dit qui ça pour le faire, a tempêté Mme Wendell Cock, arguant qu'au moment opportun, le président va être jugé avec les corrompus. Des excuses publiques sur le champ, évidemment, le CSPJ a exigé.
dès son arrivée à l'aéroport Toussaint Louverture. On aimerait bien entendre que le président s'excuse pour ses propos désobligeants tenus à l'encontre du pouvoir judiciaire, car les trois pouvoirs sont condamnés à travailler ensemble dans l'intérêt de la nation, a affirmé Dilia Lemaire, la représentante de la société civile au sein du CSPJ. Compte tenu des antécédents qu'il y a eu entre le pays et la France, Madame Lemaire croit que le président n'était pas obligé d'aller porter plainte à Paris. La justice ne vit pas de scandale, a-t-elle conclu. Donc c'est en résumé et toute frustration et jugio hier à propos de ça passé à de déclaration président, mais il fait vraiment en pile déclaration. J'en tape dit tout à l'heure puisque nous t'ai passé en pile extrait dans intersection hier de déclaration et même CSPJO, moi dit c'est première fois moi ouais que yo aussi indigné. Il faut dire aussi que les organisations de la société civile y ont même tout y ont monté au créneau contre les déclarations du chef de l'État. Des organisations de droits humains appellent à une mobilisation citoyenne pour faire échec à toute velléité de noyer les rapports sénatoriaux sur la dilapidation des fonds pétro-caribéens. Pablier nous dit, président dit, que sous administration là, pas gen ken moun qui pral persécuter moun nan pouvoir tête calée, etc. Donc, son façon, il t'est tout dit que le bloquer rapport pétro-caribéal freineni, ce que président la tortue, conseiller président pour le relire constitution, hein, pour le garder comment pouvoir fonctionner, youn indépendant de l'autre, pas gen youn qui quand rentre dans l'autre pour venir nous freiner quoi que ce soit. Et pas oublier Max Elibert tout et répondre dans la conférence de presse hier là pour le dire. D'ailleurs, yo, pouvoir là déjà saisi de rapport ça, ce que Yuri la tortue confirmé puisque grand juge d'instruction cap et instruit un dossier qui t'ai besoin des éléments qui gagne un rapport là t'ai écrit CSPJ qui lui-même t'ai écrit et le président du Sénat et de l'Assemblée nationale pour t'ai un rapport ça qui déjà nan mayo Max Elibert dit pas gagne ken force quel que soit côté le sotia ka freiner en yen nan enquête que la justice comptait mener. Il y a le la solidarité femme haïtienne Sofa, Unité de recherche et d'action médico-légale URAMEL, le Réseau national de défense des droits humains RNDDH, la Commission épiscopale nationale Justice et paix CJILAP, le Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme CAD, la plateforme des organisations haïtiennes des droits de l'homme POHDH et le Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement CRISFED qui disent prendre acte de ce qu'en raison des nombreuses dénonciations par clameur publique, deux commissions distinctes du Sénat de la République ont enquêté et publié respectivement le 17 août 2016 et le 10 novembre 2017 deux rapports portant sur la dilapidation des fonds pétro-caribe. Ces deux documents ont suscité un vif intérêt dans la société parce qu'ils touchent du doigt un sujet d'importance qui engage l'avenir du pays. Ces rapports, complémentaires à bien des égards, constituent une étape importante et historique dans la lutte institutionnelle contre la corruption, ce mal qui appauvrit la société et empêche la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales conformément aux vœux de la Constitution haïtienne et aux engagements internationaux pris par l'État haïtien. La SOFA, l'URAMEL, le RNDDH, la CJILAP, le CAD, la POHDH et le CRISFED sont consternés par le comportement inexplicable du président de la République Jovenel Moïse. Alors qu'il prétend être le porte-étendard de la lutte contre la corruption, le président de la République met tout en œuvre en vue d'affaiblir les institutions haïtiennes appelées à lutter contre ce fléau. En effet, après avoir vassalisé l'unité de contrôle et de renseignement financier UICREF et neutraliser d'autres institutions importantes constituant de véritables outils contre la corruption et les infractions connexes,
il lance ouvertement une offensive contre toute tentative visant à faire jaillir la lumière autour des faits relatés dans les rapports sumentionnés. Le Réseau national des défenses des droits humains, RNDDH, la Commission épiscopale Justice et Paix, CJILAP, Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, CAD, plateforme des organisations haïtiennes de droits humains, POHDH, Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement CRISFED, à titre d'exemple, lors de son intervention en présence de la communauté haïtienne à Paris, le président s'en est pris ouvertement à la commission sénatoriale et en travaillait sur le second rapport et a affirmé avoir lui-même empêché à l'Assemblée du Sénat de statuer sur le dit rapport. Aujourd'hui, il s'immisce directement dans l'instruction d'un juge qui a sollicité le rapport sénatorial sur la dilapidation des fonds pétro-caribé. Organisation ça on nous saute cité là, yo dit yo scandalisé pour autant des présidents avoir renouvelé le mandat d'une cinquantaine de juges soupçonnés de corruption. Ces déclarations malvenues du président institutionnel décrédibilise encore plus le pouvoir judiciaire, anéantissant ainsi les espoirs des citoyens et citoyennes de voir un jour se tarir cette vanne d'impunité. S'il est vrai que le président est, d'après les prescrits constitutionnels, le garant de la bonne marche des institutions, il est tout aussi vrai que le peuple haïtien est souverain. C'est pourquoi il est du devoir des citoyens et citoyennes d'élever la voix pour demander des comptes sur l'utilisation des fonds pétro-caribé et exiger que les institutions travaillent en vue d'empêcher que le pays soit soumis aux caprices d'un homme ou de quelques hommes et femmes qui consolident la dynastie de la corruption, le présidentialisme et toutes les formes de la pensée unique. En outre, la SOFA, l'URAMEL, le RNDDH, la CJILAP, le CAD, la POHDH et le CRISFED rappellent aux sénateurs qu'ils ont été élus pour défendre les intérêts de la population et non ceux d'un président, d'un gouvernement ou d'un groupe d'individus. Puisque selon les déclarations des anciens tenants du pouvoir, les fonds ont été utilisés au nom du bien-être de la population haïtienne et qu'il reviendra aux générations futures de rembourser ces fonds qui constitue en fait un prêt consenti à l'État haïtien, les institutions républicaines ont pour devoir d'œuvrer à l'aboutissement du processus devant faire la lumière sur l'utilisation de ces fonds. Pour cela, la SOFA, l'URAMEL, le RNDDH, la CJILAP, le CAD, la POHDH et le CRISFED rappellent, 1. À la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ses attributions de monitoring consacrées dans l'article 86 de la loi remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances. La Cour, cependant, si elle le juge nécessaire ou en cas de dessiccation, d'actes de corruption, de malversation ou de détournement de fonds publics pour procéder à des contrôles inopinés et ponctuels, le cas échéant. Elle juge les comptes des comptables publics, elle vérifie sur pièce et le cas échéant sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et de l'État et les autres personnes morales de droit public. Au Parlement, son caractère souverain énoncé dans les articles 58 et suivants de la Constitution. La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Le principe de séparation des pouvoirs est consacré par la Constitution. Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu'il exerce séparément. Trois, à l'appareil judiciaire, l'obligation qui lui incombe de sanctionner toute personne ayant commis une infraction. La SOFA, l'URAMEL, le RNDDH, la CJILAP, le CAD, la POHDH et le CRISFED estiment que les rapports élaborés par les deux commissions sénatoriales
offre aux autorités étatiques le prétexte idéal pour enfin entamer concrètement la lutte contre la corruption. Il est donc de leur devoir de saisir cette opportunité et d'écrire autrement une tranche de l'histoire d'Haïti. Port-au-Prince, le 15 décembre 2017, donc organisation Doamounio, avec organisation de la société civile là, qui yo même prend responsabilité yo par rapport à ces déclarations qui ont estimé assez dangereuses du président de la République qui a mis en péril la fragile démocratie que n'a essayé construit non et pays. Donc c'est ça et l'essentiel de l'actualité pour ce samedi. Naturellement, nous gagnons un bon hommage et avec Mano, peut-être que dans ce maintenant, n'a bien temps, par exemple, président La Tortue qui dit, je salue avec beaucoup de déférence et de ferveur patriotique le départ de Joseph Emmanuel Charles Maille pour l'au-delà en Emmanuel. Et en Joseph Emmanuel Dimano Chalmay, le peuple haïtien a trouvé un chantre sublime de son aspiration à la liberté pleine et entière. La somme musicale de Mano est un condensé de refrains d'espoir, de rythme révolutionnaire, d'hymne à la résistance du peuple haïtien, luttant pour le respect de sa vocation et ontologique au mieux-être. Mando n'est pas mort, car son combat pour l'émancipation des masses populaires garde toute son actualité, puis son champ lexical critique, sa verve sarcastique et sa praxie inspirée profondément les générations d'aujourd'hui ainsi que la postérité. Sénateur Youri La Tortue qui est sorti et notre ça pour Mano, mais c'est vraiment en pile note qu'on aime noter magistrat tout gagnant en pile et gagnant association et des maires qui au même tout et saluer et passage Mano Sal pour l'au-delà. Donc on note très émouvant et que vous voyez, mais peut-être nous pas bien temps et pour nous tourner sur notre Sahara que nous t'ai évidemment dans ce maintenant et déjà vraiment en pile témoignage gagné sous réaction toujours sous déclaration président Jovenel Moïse en pile et gagné l'opposition plurielle, l'opposition et qui dénonçait l'audio choqué par déclaration ça vraiment tout pral fait l'objet de émission ramassée. André Michel qui écrit tout pral fait l'objet de émission ramassée matin hein? Et nous remercier invité au cap fait sacrifice pour y arriver vite bonheur de façon à ce que débat ait commencé à temps et que nous pas gain sujet que nous quitter des traîner pour l'autre invité dégager nous aussi n'a fait sacrifice rivé bonheur matin pour n'al gain un bel ramassé matin et nous remercier tout auditeur auditrice de partout qui continuait à faire confiance. Alors, n'a pas observé une très courte pause, nous pourrons le tourner tout à l'heure.